Dans cet épisode, nous présentons la suite de notre séjour en Martinique. Nous allons explorer différentes baies, l'Anse du Four, la petite Anse d'Arlette, Sainte-Anne et la plage des Salines. Et lors de ces arrêts dans les baies, nous allons faire de la plongée, palme, masque, tuba. Et je ne vous dis pas tout ce que nous découvrirons lors de nos arrêts et de nos plongées. Je vous laisse le découvrir. Bon visionnement! On est dans la régate là, on est premier, faut sortir un peu de voile là si on veut rester premier papa. Bon, c'est agréable de faire de la voile, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de voile, on a fait beaucoup de moteur en Martinique jusqu'à maintenant, mais là on fait de la voile, ça file! Nous sommes sortis de la grande baie de Fort-de-France pour nous rendre ici à l'Anse du Four. We'll be right back.
et on est obligé de tirer des barres. C'est pas ce qui est le plus agréable dans le monde de la voile, mais c'est pas si mal, on a du vent, on fait de la voile. Job, Philippe, gros poisson. Très beau. Petite navigation ce matin. On quitte Sainte-Anne en direction de la plage Lance-Saline. Allons voir. Il paraît que cette plage est bien belle. Allons voir si c'est vrai. Nous sommes au mouillage de Lance-Saline, Pointe-Saline. Ici, notre position. Alors, tout en étant au mouillage devant la magnifique plage, Carole s'est surpassée encore une fois. Crêpes au menu ce midi. Et en plus, deux pains aux bananes. Et Philippe, est-ce qu'on va prendre un poisson? Moi, je veux une dorade. Tu veux une dorade? C'est mes derniers souhaits avant de quitter la Martinique. Tu ne quittes pas la Martinique sans avoir pris une dorade? Je ne serais pas prêt à dire ça, mais... Alors, mets un petit plomb dans la tête de la pieuvre. On insère des petites billes rouges qui nous permet de bien ajuster l'emplacement où l'hameçon va arriver. Alors on fait 4-5 boucles tour pas très serré et ensuite on a fait 4-5-6 très très serré.
Nous sommes donc partis de Sainte-Anne ce matin. Et nous avons passé à côté du rocher du Diamant. Et en ce moment, nous sommes rendus ici, à la petite anse d'Arlette. Magnifique mouillage! Là, on va aller explorer les fonds. On visite le petit village de la petite anse d'Arlette avec à l'entrée son église. Très beau! Thank you.
Quel est le fruit que vous coupez en ce moment? La prune de citerre. La prune de citerre. Nous avons quitté la petite anse d'Arlette, on devrait dire la magnifique petite anse d'Arlette, en direction des Trois Îlets. C'est donc mes cheveux. Alors, nous venons de visiter le musée de la mer. C'est de toute beauté, une variété, très belle présentation, des espèces rares, un gros wow! Vous êtes rapide, dans quelques secondes, vous faites un vase. Je fais la vigie parce que c'est pas toujours facile de voir les petites bouteilles qui flottent à la surface de l'eau. On surveille. Même dans 120 pieds de profondeur, on a encore des petites bouées de pêcheurs.
le grand voilier 5 mâts Royal Clipper. Quel beau spectacle! Le Royal Clipper qui sort de la grande anse d'Arlette! C'est beau! Le Royal Clipper mesure 137 mètres de longueur, 5 mâts, un grand voilier de toute beauté! Nous sommes dans la passe des fous! Ça porte bien son nom, surtout quand on va direction sud. On a le vent dans la face à peu près. C'est pas très agréable. On trouve plusieurs variétés de bananes. Celle-là, je pense que c'est des mini nains. Elles sont petites, mais succulentes. On revient de l'épicerie, du plein d'eau. Oh, on va être prêt à partir pour la Grenadine. Toujours impressionnant de voir autant de voiliers au mouillage ici à Sainte-Anne.